Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans le cours présent, je vous ai proposé un exercice à faire. Donc voici la correction. Dans un premier temps, on devait créer un linked list de type string. Et par la suite, on devait ajouter différentes villes. Donc comme Nice, Madrid et Tokyo. Puis on devait afficher les villes. Et par la suite, on devait ajouter Marseille, Bordeaux, Marseille qui était au début et Bordeaux qui était à la fin. À la fin de notre liste. Puis on devait afficher le premier élément et le dernier élément qui est Marseille et Bordeaux. Et par la suite, on devait enlever le dernier élément donc qui va correspondre à Bordeaux. On va compiler notre programme et voir si tout fonctionne correctement. Donc voici le résultat. Dans notre première affiche, on a les villes qu'on a ajoutées, Nice, Madrid et Tokyo. Puis, on devait ajouter Marseille au premier élément. Donc, Marseille qui correspond au premier. Et aussi, on devait ajouter un dernier élément, Bordeaux. Et on devait afficher le dernier élément et le premier élément qui sont affichés ici. Et par la suite, on devait supprimer le dernier élément puis l'afficher. Donc, en supprimant le dernier élément, on va afficher toutes les villes qu'on a ajoutées. Donc voici toutes les villes qu'on a ajoutées. J'espère que vous avez réussi cet exercice. Maintenant, on va passer au challenge. Je vais mettre la consigne ici. Prenez bien le temps de lire la consigne. Ce challenge demande un peu plus de curiosité, mais aussi il englobe tous les cours que nous avons vus jusqu'à présent. C'est-à-dire la création des classes, les getters, les setters et encore d'autres. Donc si vous avez des problèmes ou des oublis, je vous demande de bien revoir les cours que nous avons vus jusqu'à ici. Dans le prochain cours, nous allons effectuer la correction. Donc à bientôt.